petit parisien trouve quelque chose de bien sans se mettre en extase. Il s'exprime sans chiquer, sans mots compliqués, ni sans faire de phrases. L'expression qu'il préfère, c'est encore ses pépères. Ça peut faire sourire, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Oh, c'est pépère, c'est pépère. C'est un cri vraiment bien parigot. C'est pépère, pas sans faire. C'est pépère d'avoir une belle auto. C'est pépère, pouvoir plaire et de prendre à l'heure de l'apéro. Pour mieux faire, bonne chère, son pépère, son pernaut. Tous les ans dans le tour ou bien aux six jours, on voit sur la piste, comme sur les chemins, rouler plein d'entrains, nos vaillants cyclistes, et la foule en délire, qui toujours les admire, pour leur faire honneur sur le parcours, reprend en cœur. Oh, c'est pépère, allez-y les petits gars du vélo. Pourquoi faire du mystère, car vous êtes la joie du populo. Il faut faire une prière pour que vous remportiez comme gros lot. Un bon verre, bien pépère, de pépère, de pépère, de pernaut. Autour de grand-papa, tout le monde est là, quel remue-ménage. Car cet homme épatant vient d'avoir 100 ans, et malgré son âge, il tient toujours sa place devant le temps qui passe. Et tout en tremblant, il dit à ses petits-enfants, oh, c'est pépère, d'avoir pu toujours faire son boulot. C'est pépère, d'être grand-père, et de pouvoir se tenir quand il le faut. Mais le mystère de ma carrière, c'est de prendre qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, sans m'en faire, mais de verre, de pépère, de pépère, de pernaut. C'est pépère, c'est pépère de voir son pernaut. Car sur terre, sans mystère, un pernaut, il n'est rien de plus beau. Et pour faire des affaires, pour chacun.